Bonsoir. La tempête Eunice a très fortement impacté la région de Vimereux, non loin de Boulogne-sur-Mer. Les rafales de vent ont atteint les 150-160 km/h cet après-midi. La pluie était également au rendez-vous ce matin avant le retour du soleil sous une bonne douceur. Demain, beaucoup de soleil encore, mais du vent. Et puis, nous prévoyons l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse qui renforcera une nouvelle fois le vent. En attendant, ça continue de souffler entre le Cotentin et le Nord-Pas-de-Calais. Le nord de la France reste en alerte orange. Le vent va commencer à faiblir en soirée. Demain, nous attendons une accalmie temporaire, mais assez rapidement, un nouveau système perturbé s'imposera sur le quart nord-ouest. Nous prévoyons une nette baisse des températures, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison. Il fera 1 degré à Aurillac, 4 à Paris, 5 à Strasbourg et 10 degrés autour de la Méditerranée. En matinée, nous retrouverons la perturbation d'aujourd'hui sur un large quart sud-est qui apportera un voile nuageux. Mais les pluies ne concerneront plus que les Alpes du Nord, le Jura et les Pyrénées. Le Mistral et la Tramontane souffleront en rafale en Méditerranée. Partout ailleurs, il fera beau, mais déjà, nous voyons l'arrivée de nuages élevés le long de la Manche. Le tout sous de bonnes rafales de vent. L'après-midi, le front pluvieux progressera rapidement entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France avec à nouveau un bon coup de vent avec des pointes à 100-110 km/h le long de la Manche. À l'avant, le ciel va se voiler de plus en plus alors que le soleil brillera de l'Aquitaine au sud de l'Alsace. Enfin, pour terminer, dans le sud-est, nous aurons toujours ce voile nuageux et des averses de neige sur les Pyrénées. Malgré une nette baisse des températures, il fera assez doux. On attend 16 à Ajaccio, 9 à Strasbourg et 7 à Aurillac. Dimanche, un nouveau front traversera le pays d'ouest en est avec toujours du vent soutenu sur la moitié nord. Le sud-est du pays sera épargné par le mauvais temps. Lundi, nous serons dans un ciel de traîne avec de nombreuses averses. Mardi, nouvelle arrivée d'une perturbation océanique avec du vent et de la pluie. Mercredi, retour de conditions anticycloniques. Jeudi, une perturbation essaiera de s'infiltrer le long de la Manche. Et puis, vendredi, le temps devrait être calme et lumineux. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, retrouvez le dessin animé là-haut. Très belle soirée à tous sur M6.